Abat-le. Okay. Ça ne sauvera pas. Planquez-vous là. À l'abri. Salut à tous les amis. Alors, vidéo pas prévue. Hein. Là, j'étais tranquillement en train de me faire une partie de Uncharted Drake's Fortune, dont je vous avais fait un direct live, une découverte, et en fait là je suis assez loin, en fait je pense que je m'en suis rendu assez loin, et il doit être 1h du matin là. Ouais, c'est ça, j'étais en plein dans le jeu là, à la recherche de l'Eldorado, et en fait je me sentais un petit peu seul, quoi. Je commençais à avoir peur, parce que c'est, on peut pas dire qu'il y ait une ambiance bien sympathique ici, et je me suis dit que ce serait pas mal que je partage en fait cette ambiance un petit peu sombre. Voilà, donc j'ai rien prévu hein, à dire ou quoi que ce soit. En fait, la vidéo peut être chiante, hein, mais je voulais. Sur le coup, je vais même pas la mettre en ligne. C'est simplement pour avoir quelqu'un à qui parler. pendant cette phase de jeu là. D'ailleurs, je pense que on doit s'approcher pas mal de la fin. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est donc Nathan à la recherche de l'Eldorado. Donc là, j'en suis assez loin, il me semble. Je suis entré tout seul dans une pièce et je dois. En fait, à la base, on n'était pas censé trouver des hommes. Parce que c'était censé être une pièce cachée. D'ailleurs, que j'ai découvert après des énigmes. Et ces énigmes-là, elles étaient pas bien simples en fait. J'ai pas regardé sur internet pour m'en sortir. J'ai failli à plusieurs reprises, notamment pour les statues qu'il fallait retourner. Là, j'ai vraiment rien compris en fait. C'est sur un coup de bol à un moment, j'en ai tourné une. Parce qu'en fait, il fallait tourner 4 statues. Et à un moment, c'était apparemment la bonne combinaison. Et j'ai. Et bien, une espèce de bibliothèque s'est retournée pour qu'on puisse passer. Ah! Non, c'est totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman? Mes hommes se font massacrer! J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais y a pas que Drake, c'est pas vrai! Je vous le dis, cette île est maudite! Ça suffit! Prends ton équipe de minables et partez! Non, vous pouvez pas faire ça! J'ai droit à ma part du trésor! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman! Et vous le savez! On en reste là, monsieur Raja. Taekamo! Vous allez me le payer! Tôt ou tard! Rappelle-moi pourquoi tu as engagé cet imbécile superstitieux. Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce n'est pas le cas. Mais il sait qu'on le tuera s'il ment. Ne sois pas stupide, on ne tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps.
Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes, et on ne sait même pas si elle en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vaudrait mieux. Apparemment, il y a des conflits au sein des méchants. Hein. Donc là, ce que vous venez de voir, ce sont les, bah, les boss en fait. Celui surtout à la cigarette là. Tiens, là il avance doucement. On peut pas courir. Donc on vient de là, il faut aller ici. Hein. Moi je vais crever là. Mais non, on vient d'ici. Ah ça y est, il se remet à courir. Ah bah oui, c'est pour pas faire de bruit. Imaginez s'il se ferait repérer là. Il serait pas dans la mouise. Bon, non mais... Alors là, il y a des projecteurs. Qu'est-ce qu'ils visent? Rien de spécial, il me semble. Alors, durant l'aventure, il y a des espèces de trésors à trouver parfois. Au début du jeu, je faisais bien attention d'essayer de les trouver, mais bon, j'ai plus eu envie maintenant de finir le jeu, d'être à fond dans l'aventure, plutôt que de casser le rythme et de devoir chercher ces trésors. Après tout, oula, apparemment faut passer vite là. Allez, hop. Après tout, c'est un jeu qui est sorti depuis assez longtemps. Sur les traces du trésor. D'accord, je sais pas du tout, parce que là, j'ai l'impression que c'est découpé en sorte de chapitre. Là, on en est au 15e, donc, et je sais pas combien il y en a en tout. Moi, je me suis dit, on est proche de la fin, ce serait pas mal que je capture ici. Enfin, proche de la fin, je pense, j'en sais rien du tout. Mais bon, c'était une petite phase que j'appréciais bien, donc voilà. Ouais, donc j'ai pas voulu... Ouais, c'est un jeu qui est sorti depuis longtemps, donc... j'en voyais pas trop l'intérêt de le finir à 100%. Encore, quand un jeu est récent, bien prendre son temps de le finir, ouais, pourquoi pas. Mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Bon... Bah là, je trouvais que l'ambiance était bien avant que je capture, et là, là, il n'y a plus trop de méchants, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas génial. En plus, là, je sais même pas si c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Le truc que je remarque, c'est bien, c'est quand il monte les escaliers, c'est. Il fait bien chaque marche. Hein. Bon, là, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis dit, voilà, je suis à un moment où je suis pas bloqué. Il y a des ennemis. Ça va être marrant. Ah, je vois quelque chose de bien, là. Mais, je peux pas m'y accrocher. Alors, attendez. Donc là, je vois des plaques. Je crois pas qu'on puisse s'y accrocher d'ici. Donc, si on les suit, elles viennent là. Non, elles étaient là-bas. Là, il y en a une autre. Ah. Non. C'est pas une plaque, ça. Peut-être... Ah, ça y est. J'ai trouvé. En fait, dans ce jeu... On met pas mal de temps, en fait, souvent, à trouver ce qu'il faut faire. Enfin, pas mal de temps. Je veux dire, on croit souvent qu'on va être bloqué. Mais finalement, on arrive toujours à trouver... Enfin, en tout cas, pour mon cas, pour moi, ça a été comme ça, en fait, durant tout le jeu. J'ai mis un peu de temps, puis à chaque fois, je trouvais, quoi. Donc, je sais pas si c'est voulu... Si normalement on doit trouver tout de suite, que je suis un gros noob, peut-être. En tout
tout cas, c'est vrai que dans les jeux actuels, on est souvent bien. On nous explique toujours bien tout. Donc là, à chaque fois qu'il y avait parfois des énigmes, j'ai essayé donc de pas trop. Enfin, même de pas du tout, j'ai pas du tout regardé sur internet. Alors, oula, ça y est, je me fais canarder là. Allez, c'est parti, les choses intéressantes commencent. Oh putain! Alors là, on va attendre. Non, non, je suis encore gris, on va attendre. Ou alors, on va foutre des petits coups à chaque fois. Bim! Ah non, mince, j'étais pas devant. Ah! Hop. Alors, on en profite. En fait, le mieux quand on tire sur quelqu'un, c'est de l'enchaîner après. Parce qu'après, il bouge plus. Enfin, il bouge à peine. Là, par exemple. Hop! Là. Putain, je le rate! Ah, mais j'ai l'impression que je touchais même pas. C'est pas évident à viser, mais. Mais justement, c'est. Ah, une merde. Non, c'est bon. C'est ce qui en fait tout l'intérêt, justement. C'est. Ça fait bien réel, quoi. Certaines parties du corps sont détachées, en fait. Si on vise la tête, ce sera plus simple de les tuer. Il y a d'ailleurs des espèces de sortes de succès à l'intérieur de jeu à débloquer en fonction du nombre de fois qu'on a atteint la tête d'un ennemi ou qu'on l'a tué au corps à corps. Oula, j'ai plus de balles avec ma première. En fait, on a toujours deux armes. On a toujours deux armes, en fait. Soit une plus petite qui tire par à coup en général. Et oula, il a fait un sacré vol plané celui-là. Soit une arme qui tire plus rapidement. Ouais. Ah. Salut, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là et apparemment il y aurait une espèce de galerie secrète en haut de l'église. D'accord. Ouais, il me semble bien. Attendez, appelle-nous si tu trouves quelque chose. D'accord, donc ça c'est ceux qui sont restés, enfin la fille plus. Plus Sullivan qui est resté de l'autre côté de la porte. Là, il y a un trésor, par exemple. Voilà, c'est de ces trésors-là que je parlais. Vous voyez, j'en ai trouvé 29 sur 60, à peu près, donc la moitié. Et comme à partir de la moitié, j'ai arrêté de chercher, je pense que, déjà que j'ai dû en louper au départ, je pense que c'est ce qui me fait dire qu'on est pratiquement à la fin. Alors... Donc apparemment il y a un truc secret en haut de l'église. Je pense que si je continue de plateforme en plateforme, je vais à un moment tomber sur l'endroit où il faut aller, je pense. Alors, il va y avoir quelques ennemis là, non? Donc ouais, aujourd'hui, ou du moins cette nuit-là, en ce moment même, je ne suis pas très réactif, hein. Parce que bon, c'est la nuit là, j'ai le temps, donc voilà, je fais une partie, je capture en même temps, voilà, c'est juste pour avoir quelque chose à dire en jouant. Alors, bon là, il n'y a personne, tant mieux, mais ça va apparaître dès que je vais sortir, non, c'est bon, ça s'est cassé, non? Oula. Alors là, je crois que j'ai vu une liane. Non. Mais. Alors là, on peut pas tourner la caméra. Fait chier. Là, si, c'est bon. Alors, donc, je vois des plaques en face. Donc, on va essayer de s'accrocher ici. Voilà. On va aller là. Non. Bon, il veut pas, d'accord. Et si jamais on tombe, là. Ouais, je fais gaffe parce que des fois, on... On a l'impression de pas tomber de haut et on se lâche et en fait on crève. Donc ça c'est assez gênant. J'ai l'impression d'avoir déjà été ici. Hein. Ouais. Alors là... Non, bah non. Non, moi j'ai cru que c'était... Ah bah si.
Si, c'est bel et bien des plaques, ça, pour pouvoir attraper cette liane là-haut. C'est bien ce qui me semblait, je suis déjà venu là. Mais bon, ouais, ils ont dit en haut de l'église, donc ouais, si on prend cette liane, on ira en haut, forcément. Ouais, je suis déjà venu là. On a eu pas mal d'énigmes en fait depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me suis dit que bon là c'était peut-être fini, qu'elle allait avoir un peu plus d'action. Bah, apparemment non. C'est dommage. Bon, on fait avec, hein. C'est pas pour autant que je vais arrêter la vidéo. Et si jamais on allait les rejoindre de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je suis déjà allé. Ouais, je tourne en rond là. Bon, là, voilà. Les munitions sont encore là, hein, alors que ça fait quand même longtemps que je les avais tuées. Bon. On va retourner ici. Mais là, il faudrait pas descendre. Non, bah non. Mais je crois que j'avais fait le chemin inverse. Ouais. Tout à l'heure, j'avais fait le chemin inverse. Donc ça doit pas être là. Ah, indice, oui, ben, ça va me montrer ça, bien sûr. Alors, dans ce cas, ça veut dire que. Ah, mais oui, je l'avais même pas vu. Je crois qu'il y a une plaque là en face, hein. Je peux sauter. Attention. Je suis même pas habitué encore. Ouh là là, ça se casse. Ouh là là. Bon, c'est bon là. Bon, vous voyez, hein. Quand il suffit de chercher un petit peu. Puis on trouve. Mais bon, ça c'est vraiment un truc que. Oula, alors là il y a des trucs pour se cacher. Et il va y avoir des ennemis, bien sûr. Je cherche un petit peu, on trouve. Il s'est bien planqué lui. Hein. Allez, là j'ai touché. En pleine tête. Voilà. Ouais, normalement il leur faut au moins 3-4 coups. Mais c'est vrai que là, quand on les attaque dans la tête, deux coups suffisent. Hein. Parfois même un seul coup. Un trésor. Ouais, je le trouve sans faire exprès là. Bon, parfois ils mettent du temps à arriver. On n'est pas obligé d'attendre, mais j'aime bien voir ce que ça représente. Tiens, mais il me semblait l'avoir déjà eu celle-ci. Voilà, regardez en haut à droite, chasseur de trésors compétent. Donc ça nous permet en fait dans les bonus. Vous voyez, vous avez vu un petit 10 en dessous. Dans les bonus, par exemple, récompense. Choix du héros. Voilà, ici vous voyez le nombre 260. Donc c'est le nombre de points qu'on accumule à chaque fois qu'on a un espèce de succès comme ça. Et on peut débloquer voilà, des tenues, choix des armes, le mode de rendu. On peut mettre voilà, par exemple noir et blanc, teinte sépia, tout ça. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Ben, c'est bien pour les gens qui veulent voir l'aventure sous un autre angle. Sympa, mais là j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, hein. Donc on va continuer par là. Voilà, on va aller où? Oui, bah j'ai vu qu'il y avait des plaques. Oui, Ça doit d'accord. être ça. Un vitrail avec un cœur, je crois. Hein. Select, alors Ah. oui, c'est bien ce qui me semblait. Le célèbre symbole avec des clés dans le cœur. Il me semble qu'on l'avait déjà croisé, c'est pour ça. Hein. Alors, faites que ça s'effrite pas. Vous voyez là, par exemple, on peut aller en face, mais c'est bien trop loin pour qu'on y aille, non? Je vais tenter, mais je vais crever. Ou alors, il y a. Est-ce qu'on peut s'accrocher là? Ah oui!
Ah oui. Il y a des plaques, il me semble. Elles ressemblent à celles de tout à l'heure. Oula. Voilà, j'ai eu de la chance. Voilà, je vais me grouiller parce que ça va s'effriter. Voilà. Hop. D'accord. J'ai bien fait de pas sauter tout de suite. Alors là, on va pouvoir peut-être s'accrocher, je pense. Oui. Voilà, tranquille, c'est bon. Pas de problème. Là, il y a un bidon explosif. Bon, je pense qu'on peut aller là en face. Voilà. Là, je pense qu'on peut y aller aussi. Oh non, raté. Voilà. J'étais pas si haut que ça, mais je suis mort parce que c'était pas là où il fallait aller. Bon. Il y a encore les ennemis? Ah non, c'est bon. En plus là ouais la caméra elle se met bien au bon endroit en plus donc ça c'est vrai que j'ai pas souvent fait gaffe à ça mais quand je suis perdu je devrais plus regarder l'orientation de la caméra qui nous dit mieux où aller comme par exemple là où je suis mort je suis sûr que la caméra elle s'était mise sous un bon angle pour m'indiquer voilà c'était là donc par exemple là, si je fais rien non elle fait rien mais il y a peut-être une plaque ici. Non, y a rien. Putain, mais je suis trop con. Je devrais prendre plus mon temps, là. Quand on veut pas, la caméra se met bien. Et quand on veut, y a rien qui se passe. Ou peut-être que c'est tellement logique que ça en vaut pas la peine. Faut pas se balancer avec ce machin, là. Non, y a pas besoin, là. Bon, là, il sert à quoi ce bidon? À me faire mal. Bon, on va aller là. Ah, faut pas aller sur le pylône, là? Bah oui, bien sûr. Si je regardais un peu mieux, un petit peu, ça irait peut-être mieux, non? Là, franchement, c'est un petit peu abusé comme saut. Hein. Ouais, bon, là, pas de soucis. Là, on voit une clé et à droite, on voit le symbole d'une autre clé. Là, si je vais ici, je peux aller là. Voilà. Là, sur la plaque ici. Ah, il y avait une autre énigme aussi avec une cloche que vous voyez en dessous. Et il y avait une autre cloche aussi de l'autre côté. Et en fait, elles devaient résonner ensemble. Le problème, c'est que, comme vous voyez, elles sont quand même, elles sont toutes là-bas au fond, au fond normalement. La deuxième elle est au fond là. Voilà, on l'aperçoit là. Et en fait, ben, quand on les actionne, on peut pas se téléporter et aller directement actionner l'autre. Tiens, ah d'accord, ça l'a fait descendre. D'accord, maintenant faut que j'aille à l'autre. Ok, ok, ok. Et en fait, ben, ça paraît simple comme ça, dit comme ça, mais en fait, il fallait réussir à tirer assez rapidement sur l'une et sur l'autre pour qu'elles puissent résonner ensemble et donc ben, que ça nous ouvre un autre passage. Tout simplement. Là, je crois pas que je peux atteindre. Il faut d'abord que j'aille ici. Voilà. Et de là, je peux sauter, je pense. Non. Géronimo! Bon, d'accord, il n'a rien fait. Bon, je recommence. Géronimo! Bah non, voilà, j'ai fait le con. Ah la vache. Oh non, ici. Oh là là. Allez, hop. Ouais. C'est tout simple, mais on veut tellement aller vite. Enfin, du moins, moi, je veux tellement aller vite. Mais du coup, on perd encore plus de temps parce que je tombe et... Donc, faut faire comme le lièvre et la tortue. Hein. Il faut faire la tortue, on arrivera toujours à la fin plus rapidement. Hein. C'est pas faux, ce truc. En prenant notre temps, on tombera moins dans le vide. On refera moins les niveaux. Et du coup... Mais c'est là, en fait. Bah voilà, là, je peux m'accrocher. En fait, c'est toujours pareil, c'est juste que je les vois pas. Non, il fallait... Alors ça, d'accord. En fait, voilà. Au lieu
d'incliner le joystick à droite, il fallait l'incliner en haut à droite. C'est des gros fourbes. Putain. Bon, c'est bon là. Maintenant j'ai compris, je pense qu'il n'y a pas de problème, je vais y arriver. J'espère qu'après on arrivera à une phase un peu plus intéressante. Voilà. Bon, alors là, ici. Ensuite, on tourne. On vient là, et là on incline en haut à droite. Pff, d'accord. Bah non, en fait c'était pas du tout ça. Il fallait bel et bien l'incliner à droite. Mais tout à l'heure il a décidé de pas s'accrocher. Bon, ok. Ok, comme tu veux. D'ailleurs, en disant OK, ça me fait remarquer que dans ce jeu, ils aiment bien dire OK. Tous les personnages disent OK tout le temps. OK. Bon bah là, faut simplement revenir. Voilà. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas encore un bug. Tu vas bien sauter où il faut. Voilà. C'est bien. Bien derrière, c'est bien. Parce que j'ai pas envie de refaire un haut. Voilà. Maintenant, j'ai simplement à refaire le chemin que j'ai fait tout à l'heure. Après, je pense que je devrais simplement revenir, je pense. Pour aller à la porte principale qui se sera ouverte. Oh non! Ouf, j'ai eu peur là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Oh, le vitrail qui s'abaisse. Et comment on y va, hein? Par le bas? Non. Ah. Voilà, je l'ai vu. Je vous ai vu. Bon, et maintenant? Ah, il y a une liane là. Voilà. Et maintenant? D'accord. Génial. Super. Ouf. On recommence de là. Ouh. Ah, j'ai eu peur. Bon, d'accord, mais en fait, il y avait une liane. Et j'ai envie de dire, et alors? Bon, on va y retourner. Et si vraiment je meurs encore, j'ai vu qu'il y avait une autre liane de l'autre côté. Et peut-être que elle, fallait en choisir une des deux, en fait. Bon. Mais je pense qu'on peut y accéder des deux côtés. À moins qu'en fait, il n'y a pas besoin de se balancer. Faut simplement aller de l'autre côté. Bon, en fait, je voulais qu'il s'appuie sur le mur et qu'il saute de l'autre côté, mais bon. Non, j'ai quand même envie de rester de ce côté, parce que bon, je pense qu'on peut y arriver des deux côtés, il n'y a aucune raison. Faut bien que je me balance, je pense, hein, tout simplement. Mais le problème, c'est que je vois pas où atterrir. Là, d'accord, ok, on se balance bien, mais et après? On va essayer, hein. Pff, n'importe quoi. On veut geler de l'autre côté, hein. Ouais, si je devais faire un reproche, ce serait peut-être sur ça. Je sais pas, c'est... J'aime pas trop faire des reproches là-dessus, parce que souvent c'est de notre faute. Je veux dire, des fois, quand je crevais, là, je vois pas où est le rebord, ben, écoutez, c'est de ma faute. Mais... Peut-être qu'il devrait mieux l'indiquer. Ah, mais là, j'ai une idée. Si je me laisse tomber... Je s'accroche pas. Oh, ça me gave là. Putain, être bloqué un truc comme ça quoi. C'est bidon.
plus, je suis sûr, mais c'est tout con. Ah, vous devez être en train de vous dire... mais putain, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il est con. Bah oui, je veux bien, mais... Et là, on fait quoi? On monte, ok. Voilà, on descend vraiment tout en bas. Mais non! Mais je voulais pas me décrocher, putain. Putain, mais non. Putain, mais... Non, mais là, pareil. Oh, faut vraiment être au bout, hein. Généralement, c'était même mieux géré que ça pendant le jeu. Il n'y avait même pas besoin d'être au bout. Ça s'est relâché un petit peu à un niveau programmation à la fin. Hein. Bon, là. Là, on va sur ça. Ok. S'il descend un petit peu, mais pas tout en bas. Que là je me balance. Qu'est-ce qu'il fait? Mais y a rien, il peut aller nulle part. Bon, je vais essayer. D'accord, alors là il y avait une plaque. Mais d'où il y avait une plaque? Je la vois de l'autre côté aussi, mais. Putain, c'est vachement évident, hein. Oh là là. Tiens, un trésor. Croix en or ornée de pierres. Des fois, il y a des trésors que j'ai l'impression d'avoir déjà vus. Pourquoi il fait un? Qu'est-ce qui se passe? Génial. Bon, alors, je pense que c'est ça. Salut. Non, dites-moi que c'est pas vrai. Hey, salut! Je t'écoute. Tu te rappelles Roman et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyés? Ouais. Bah, ils sont assis pile au-dessus de la salle du trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème. Une diversion, je m'en occupe. Hey, salut! Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Sans me faire repérer. Je peux pas les tuer plutôt. Comme je fais d'habitude. Oh ben non. Oh mais si, je vais bien me faire repérer. Ce qui serait con, ce serait de... Et là-haut, là. Il y a une plaque, là. Ok, ça sert à rien. Sullivan s'est échappé. Dispersez-vous et trouvez-le. Oh bah là je vais devoir les tuer je pense. Oula, ah ouais, Sniper Dragon. Alors ça j'ai déjà utilisé une fois. C'est bien marrant. Et hyper pratique. Voilà. Ah non, bah, j'ai cru qu'il y en avait un là. Bon bah non. Ah là. Fais-moi voir ta petite tête, toi. Voilà. Oh, à plus. Mais qui c'est qui me tire dessus, là? Oh, putain. Alors, ils font chier avec leur laser, eux. Ils nous touchent une fois, on est mort. Faut essayer de les toucher avant qu'ils nous touchent. Ah, merde. Ça, pour viser, c'est vraiment l'idéal. Oh, non, il y en a un qui nous balance... Ça. Lui faut le tuer direct. Parce qu'il nous lance des espèces de lance-roquettes. Ça fait pas du bien. Bon, ils sont où les autres? Ah d'accord, il y en a un là-bas. Putain, je vois pas. Il est caché par ça. Et là je peux. Ouais. Il meurt pas facilement avec cette arme. C'est quand même drôle de devoir la remettre. Je sais pas combien de balles dans la gueule pour qu'il crève. Putain, il y en a juste là. Attends,
toi tu vas te ramasser des coups de poing. Putain, mais cet enfoiré il est fort. Putain, d'habitude j'arrive à les avoir, mais là. Bon, vas-y, souffle un bon coup, Drake là. Mais qu'est-ce que tu fais toi? T'y crois toi? Non, mais t'y crois. Il est rampé devant moi là. C'est bon? A plus? Fini? Je sens qu'ils vont arriver là, non? Oula! J'avais pas vu le vide là. Ouh, ça allait me faire drôle hein, si j'allais tomber. Bon, ils ont quoi? Bref. Oh putain! Carrément avec les fusils à pompe là. Au début du jeu j'étais souvent en manque de munitions, mais après ça a été, je m'y suis fait, j'ai appris à mieux viser. Bon là ils sont où là? Vite, on va se mettre là. Oh putain, tout ce qu'il y a. Voilà, t'as, il est pas mort. T'as, y'en a un là. Putain, ils bougent bien ces enfoirés. Putain, là, je vais crever. Non. Non. Oh putain, non. Ça, mais je devrais y arriver normalement. Je suis assez entraîné. Putain, maintenant faut tout refaire, non? Non, c'est bon? Si, j'en ai vu en bas. Si, je vais devoir tout refaire. Bon, j'en ai vu un là. Là. Bouge pas. Ça se tue en un coup de toute façon là. Tu n'importe où. Hop. Oh, raté, alors qu'il y en a trois à côté quoi. Putain, je vais mourir. Hop, je reprends mon M4. Faudrait pas que je meure parce qu'après je dois me retaper eux là et ils sont chiants. Est-ce que vous faire attention? Est-ce que je peux les avoir derrière les arbres? Si jamais la structure n'est pas prise en compte, je pourrais. Là, je t'ai vu. Ouais, c'est bon. Ah, là-bas. Tiens. Je sais même pas si je l'ai eu. Ah, il se déplace. Il faut avoir l'œil. Bon, je vois du sang gicler, mais il a l'air toujours vivant. Voilà. Arrête de bouger. C'est bon? Je l'ai eu? Bon, apparemment oui. Alors maintenant, on va faire gaffe. Est-ce que j'ai des grenades? Oui, j'ai des grenades au cas où. Ça pourrait être intéressant. Alors voilà. Bon ben là... Tiens, on va rester là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais non, ça a pas l'air d'être une bonne idée, non. Et si on se cache ici, là? Ça a pas l'air d'être une super bonne idée non plus. Surtout s'ils viennent de là, voilà. Alors, faudrait d'abord que je les ai... Ah non, mais... Ah non, dégage, dégage. Voilà. Putain, alors ça, c'est chiant quand on n'a pas d'endroit où se mettre... J'attends ici. Voilà. C'est bon. Un en moins. C'est toujours ça. Alors là. Je
t'avoir, toi. Voilà. Oh, bah, j'ai pas mis longtemps pour l'avoir, celui-là. Il est où? Il est où, celui qui tire? Putain. Il est là. Là, je me cache là. Tiens. Oh, dans la tête, ça fait mal, hein. Même pas. Allez. Voilà. Ah, je t'ai vu, toi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour les enchaîner. C'est bon? Non, je veux pas prendre ça. Voilà. Ça, c'est peut-être plus puissant, mais il y a beaucoup moins de balles et... Bah, je préfère prendre un truc peu puissant, avec pas mal de balles. Même si vous allez me dire que c'est peut-être plus pratique de prendre un truc qui tue plus rapidement. Mais bon, ça revient au même en fait. Tiens, encore un trésor. Je les trouve vraiment sans faire exprès. Hein. On voit juste par terre que ça brille. Un peu comme les armes, par exemple. Je vais voir s'il n'y a pas des munitions que je, voilà, que je peux récupérer. Vaut mieux parce que on n'est jamais à l'abri d'être en cours de munitions. Et ça, je peux vous garantir que c'est vraiment handicapant. Hein. Là, là on Salut. Est là. Ah, d'accord, on est revenu là. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Oh non. Oh non. Non. Encore une énigme. Je parie. Alors, est-ce que je vais la comprendre? Alors, on a une coupe, des flèches croisées, un livre... Une encre, une couronne, un serpent et un coquillage. Roman et Navarro ont mis un de ces boxons ici. Pouf, bon, ok, on a tout ça. Et maintenant, donc on a les symboles qui sont ici. Par contre, il va pas marcher tout le temps là. Bon, bah si, peut-être. Alors. Ok. Bon, ouais, ils sont là les symboles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Les pousser, je parie. Ah, donc si on peut les pousser. Je pense qu'on va devoir les pousser dans l'ordre, hein. Tout simplement. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Et dans l'ordre... Alors, c'est quoi qu'il y a d'abord? C'est les flèches ou la coupe? Ce qui est le plus haut, c'est quand même les flèches. Donc on va faire les flèches. Et je crois qu'elles sont là. Ouais, allez, on va essayer. Ah non, on les pousse pas, en fait, on les tourne. Ah, faut les mettre dans le bon sens, alors. Ah, oui, d'accord, simplement... Faut simplement mettre les... Comment ça s'appelle les... Attends, je peux même pas utiliser mon flingue, par contre. Les symboles dans le bon sens. Bon, bah, l'encre, je crois qu'elle y est. Ouais, ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est quoi, ça? Le coquillage. Je crois qu'il est retourné, non? Ouais, exactement. Bon, bah, si c'est ça, ça va. J'aurais pas mis trop de temps à trouver. Là, on en est à presque 45 minutes. Oh, c'est bon, je peux continuer encore. Pas de problème. Le serpent, alors sa tête, elle est dirigée à gauche. Comme ça. Voilà. Ah, c'est bon, ça y est. Quoi, les squelettes vont devenir vivants? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug? Ah, non, c'est bon. Bon, on va arriver à cet Eldorado, là. Ouais. Cadeau. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey, j'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Tiens, c'est quoi ce truc? Celui sort de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Eh ben, bravo, celui-là. Oh, bravo. Ouais. 16, la salle du trésor. Bon, bah c'est peut-être y arriver. Le titre est quand même pas mal évocateur.
Donc je pense qu'on va faire cette partie-là. Si je mets trop de temps, on arrêtera avant. Et sinon, on ira jusqu'au bout. Alors, ouh... C'est quoi cet endroit? Ah plutôt ouais, comme tu comme dis. C'est quoi cet endroit? Waouh. Quelle direction choisir? Alors là, j'en sais rien quelle direction. Hein. Il y en a plusieurs des directions même. Bon, on va suivre notre instinct. Allez, suivons notre instinct. Attends un peu. Quoi, attends, qu'est-ce qu'il y a? Select. Select. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Je vais rester là. Ça veut sûrement dire quelque chose. Pendant que toi, tu trouves un moyen de traverser. Bon, des chiffres romains, donc 2, 5 et 7. 2, 5 et 7. 2, 5, 7. Et là, par terre, il y a des chiffres romains. 2. Ah ouais, ça va être simplement comme une carte au trésor. Ça indique l'endroit où on va. 2, 5. Tiens, L2. Ça, c'était simplement pour... Ouais, bon, bref. 5 et 7 qui vont nous montrer à gauche. Non, ça, oh, c'est 3. Merde. Je suis complètement paumé. Ouais, comme tu dis, ouais. 2, 5, 7. Non, ça c'est pas bon. Faut trouver le 7. Je peux aller dans la flotte là. Ah, mais là il y a un symbole là. C'est le 5, hein, c'est pas le 7. Mais en fait, alors, ils servent à quoi les symboles? Ça doit bien servir à quelque chose. 2. Ah, c'est quoi ça? Ah d'accord, faut bourriner là. D'accord, ça fait tourner un moulin. Des engrenages. Et qu'est-ce que ça va faire? Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. D'accord. Donc on a une chaîne pour pouvoir monter ici. Ok. Ce qui doit très certainement... Ah mais en fait c'est simplement suivre les... Suivre les chiffres. Il y a peut-être des trucs à faire à chaque chiffre, non? Ça sert à quelque chose que... Non. Non, non, je vais continuer. Hein. Parce que... Oui, là, je fais... Ah oui, là. Là, c'est quel numéro? 6. Là, il y a une chaîne. Oula, eh! Pourquoi il s'est pas accroché? Parce que j'étais décalé de 2 cm? Ou alors, peut-être parce que c'était pas une chaîne sur laquelle on pouvait s'accrocher, tout simplement. Je vais aller voir de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi le numéro? 5. Mais d'accord. Ah, c'est génial. Ça, c'est le piège, mais tout con, que tu peux voir très facilement, mais auquel tu te fais quand même avoir. Ça, c'est énorme. Il y a vraiment que les noobs comme moi pour se faire avoir. Pourtant, c'est pas compliqué. Ça, c'est quoi? Le 2. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fois le 2, non? Oh, c'est pas grave. Celui, tu me reçois? Merde, que dalle. Apparemment, ça avance. Ah, mais d'accord, il y en a plusieurs. Et là, c'est lequel? Le 4 qui nous dit d'aller à droite. Mais c'est bizarre ça. Tiens, non. Ah si, c'est ce qui me semblait. Je vois briller en bas là. Il y a un trésor, mais je m'en fous. Ah, là il y a un numéro 3. Putain, mais je comprends pas. Là, si je monte, j'ai crevé là. Bah oui. Mais là, je comprends pas. Oh, c'est flou là, c'est très très flou. Indice.
Oui, bravo, j'ai vu qu'il y avait ça, oui. Bon, ok. Ok, ok. Ensuite. Je peux pas y aller, je pense. C'était pas... Non, non, c'est pas une chaîne pour s'accrocher, ça. Là, je peux aller en face, mais bon, ça servirait à rien. Bon, là, il faut que je passe, alors. D'accord, bon. Et maintenant, ici, il va contacter celui. Non, ça a déjà été fait. Bon. Là, non, j'ai cru qu'il y avait une corde. Bon, et... Il y a des escaliers tout seul, mais je vais pas pouvoir... À moins que je puisse m'accrocher aux chaînes qui est en bas, mais ça m'étonnerait. Oh, c'est le bordel, hein. Et là, si je tentais de m'accrocher... Attention! Voilà, vite, dégage. Dégage, voilà. Ah! On avance. Il y a une corde, je sais pas si elle va servir à quelque chose. Non, on monte. Bon, tant qu'il y a un chemin, moi j'y vais, hein. Bon, et maintenant? Là, il y a des escaliers, ok. Là, les numéros. On a 2, 1... 2, 5, 7. Ouais, je suis d'accord. Là, on a le 1 et là, on a le 2. Donc, on va aller au 2, hein, je pense. Là, c'est le 5. Ah, d'accord. On arrive à un moment où les 3 chiffres se suivent. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais ce qu'on voit en face de nous, ce n'est pas vraiment bon signe. Alors, c'est parti. Hop là. Ouh là là, alors, E. Oh. Ah. Ils sont pas toujours le même rythme, apparemment. Non. Si. Et comment on fait, là? Bon. C'est parti. Ouh. Oh là là. Hey, j'y suis. Hey, fais attention. Bah oui, comme par hasard. Voilà, c'est bon, j'ai fait rond au bon moment. C'est bon. Je sais pas comment j'ai fait. Tout va bien. Pour avoir ce temps de réaction de malade. Et je l'ai eu. Bon, et là, je parie qu'en face, ça doit être le 7, non? À moins qu'on soit totalement retombé, il faut tout refaire. Ah, mais non, mais d'accord. Non. Ok, on est tombé ici. Bon, bah, je vais continuer. Et là, en face, c'est le 4. C'est pas bon. Putain, je sais plus où on est. Bah, t'aurais pu éviter de faire le con, hein. Pas vrai, ça. Comment on peut être aussi teubé? Bon, bah, je vais y aller quand même. Mais le problème... Y a quoi? On peut y aller... Ah, d'accord, on peut continuer après. Bon. C'est parti. On s'arrête. C'est chaud, là. Là. C'est bien. Non, ça, c'est pas bien. Oh, putain, oh, putain. Alors, on monte, on peut monter, non? Non. C'est quoi, ça? Oulalala. Alors, d'accord. Alors, ça, ça va être une phase où on va utiliser le 6-6. Non. Ah non. Je croyais qu'on allait marcher en équilibre. Ok. Là, il y a le 5. Bon, bah, on va y aller, hein. Bon petit labyrinthe, là. Là, c'est bien parce que je... Je perds pas trop de temps, je veux dire, on... Je m'en sors plutôt bien pour le moment. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. D'accord. Mais ça a servi à quoi qu'on ouvre ce truc si on peut même pas y aller? Non, j'ai rien dit. Je crois qu'on peut là. En effet. Il y a des plaques des fois, mais faut les voir. Hein. L2. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas ce que tu regardes de toute façon. Si, ça brille là-haut, non? Bon.
Ah non, c'est un truc peut-être pour ouvrir la porte. Mais je vois pas ce que c'est, je vois pas où il vise là. Bon, c'est pas grave. Au pire, on la laisse là, hein. Non. Bon, là, on peut monter. Je vais là, mais je sais même pas s'il faut aller là. Bon. Comme j'ai dit au départ, je vais suivre mon instinct. Qu'est-ce que... Bon, d'accord, ok. D'accord. Merci, Nate. Je fais vraiment au pif, là. C'est du gros au pif. Là, c'est quoi, ça? 5 encore. Je pense que dès qu'on arrivera au 7... signifiera la fin. En fait, il faut suivre 2, 5, 7, tout le temps, à chaque fois. Là, on a 2, on va suivre 2. Mais le truc, c'est que je vois jamais le 7. Oulala, il y a des ennemis là-haut. D'accord, mais là je crois qu'il y a le vrai ennemi là. Donc là ça va pas être de la rigolade. Moi je peux me mettre où moi pour me planquer? Vous êtes marrant. Putain, en plus il y a une... Putain, mais oh là là, il fout de ses coups. Cet enfoiré. Putain, je vais crever là. Putain, je suis mort. Je sens que ça va pas être évident là, mais au moins il y a de l'action. Host. Déjà mort? Mort avec un croche-patte. De giga croche-patte. Bon là, faut qu'ils arrêtent leur connerie là. Voilà, ça c'est fait. Ah, je peux me planquer comme ça. Ah, ça c'est bon à savoir. Non, toi tu partiras pas. Tiens. Oui. Putain, non, qu'est-ce qui se passe là encore? Oh non! Mais normalement on les voit les grenades quand elles arrivent. À moins que là ce soit un... À moins que ce soit un gars encore qui est avec ses lance-roquettes là. Comme c'est pourri ça. Oh putain! Ah non, en fait c'est que... Il doit avoir des fusées à pompe, ça doit faire super mal ça. Il y en a qui font les cons un peu. Alors ça c'était une belle planque mon gars, bravo. Ah. Ça c'est pas évident hein. Putain mais... Ah, je gaspille des balles là. Tiens! Non, j'y crois pas. Putain, je le vise là. Ça marche pas? Ah! Voilà! Mais il avance pas. D'accord. Ok, je pouvais pas avancer jusque là. Toi, je vais t'avoir comme ça. Putain. Des fois on les a, des fois ça ricoche. C'est bizarre. Voilà. T'as plus que 2 balles. J'ai encore... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mince. Bon, bah c'est pas grave. Ça, c'est plus pratique, ça. Voilà. Putain, ah oui, d'accord. Il y a vraiment un gars avec avec son lance-roquette là. Faut que je me le fasse. C'est lui là. Voilà. Bon, j'espère qu'il y a un checkpoint là parce que si je me fais tuer, j'ai pas envie de tout refaire là. Ah, pas mal la planque là. Oh putain, encore un! Oh, toi, je te laisse. C'est bien.
J'allais pas le laisser s'échapper, celui-là. Ouh, ça c'est de l'arme, ça. L'échelle mécanique là-haut, d'accord. Mais là, je vais suivre le 2. Hein. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Le 4. Ouais, là, je peux faire quoi? Ici. Encore? J'ai entendu des gars là. Oui. Oh putain. Oh non. Vite. C'est encore un gars avec les torpilles là. Comme j'aime pas. Putain, je déteste ces gars là. Mais c'est incroyable. C'est les pires. C'est quand même pire que. Putain, y'en a un là. Ouh, ça c'était beau. En fait, j'ai encore pas bien compris comment on faisait les combos. À un moment, c'est marqué carré, triangle, carré. J'essaie de le faire, des fois ça fait pas des super combos, donc je sais pas, je bourrine un peu dans tous les sens. Ok, maintenant... Il avait parlé d'échelle mécanique en haut, d'accord. Ouais, et... Si on descend ici... Non, là j'en viens, là. Bon, c'est qu'il doit y avoir un truc, là. En plus, je commence à être fatigué. Ah, mais d'accord, c'est un truc que j'ai même pas vu ça. Je commence à être crevé là. Proche des 2h du matin. J'aimerais bien au moins finir cette phase là. Oh putain. Oh putain. Vous, je vais vous calmer. Voilà. Oh putain. Non. Vite, redescends. Il y en a derrière. Oh, il y a encore un avec une torpille. Mais descends, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, en fait, non, descends pas. Bon, bah si, maintenant. Mais pff, oh là là. Attends, je vais me planquer, là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas crever encore, mais... Oh là là. Je savais même pas où j'étais. J'ai rien compris, là. Oh mon Dieu. Bon, heureusement, on recommence de là. En fait, je vais remonter. Et je vais me planquer ici, là. En fait, non, il n'y a pas de planque. Oh là 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 là, ça c'est le gros bordel ça. Bon, on va foncer alors. De toute façon, à un moment je serais pas obligé de les tuer. Putain. Bon, si je me mets là. Alors lui avec la torpille là. Allez, tiens. Voilà. Un en moins. Là, il y en a un là. Deux en moins. Et ceux qui étaient là-bas, là. Disparu. Bon. Disparu. Ça, c'est quoi, ça? Ah, le 7. Bon, t'es arrivé à la fin, non? 1. Ça, c'est le 1. Parfait, c'est bon. Alors, toi. Voilà. Ça devient plaisant au bout d'un moment de les tuer comme ça, c'est marrant. Bon, le 7 indique à droite, donc ben écoutez, on suit. Hein. On pourrait rien faire avec cette grille là. Non. Essayons par là. Alors, où est-ce qu'on arrive là? Ah, il va plus doucement là. Ça sent la cinématique. Voilà. Y'a rien ici. Tout ça est si vieux. Nate? C'est Drake. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Tout ça pour la grandeur.
Une vie gâchée. Pour rien. Nate, est-ce que t'es prêt à partir ? Ouais. Plus que jamais. Et bien, au moins, il aurait retrouvé le corps de celui qui... Maki recherchait tant le cœur de la salle. Eh bien, peut-être que je vais avoir tort, mais je pense qu'on va se laisser ici. J'avais dit que j'arrivais jusqu'au prochain chapitre. C'est chose faite. Il y a des sortes de machines là-haut. Donc, Là, ben voilà. Y a une échelle. Moi, je vais, de toute façon, moi, je vais m'arrêter là. Je commence à. À dormir avec la manette en main. Non, je rigole, ça m'arrive jamais, mais. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Allez, donc, on va le faire en direct. Sauvegarder. Comme ça. Ouh, et puis en plus, la PS3, elle. Elle chauffe la pièce, là. Je commence à avoir chaud. Ouh, j'imagine même pas si j'avais amené ma 360, là. Ça aurait été un four. Bon, allez. Eh ben, je vous dis de bien retourner à vos occupations. À plus tard pour la prochaine vidéo. J'espère que cette petite aventure vous aura plu. Ciao à tous !